our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'ai pas été très sage. Non, t'as pas été très sage, non. Mais non, il y en a de l'eau dedans, parce qu'il faut que tu agis à droite. On se retrouve pour la vidéo tant attendue de la night routine, evening routine avec Aria. Je la fais aujourd'hui puisque c'est les derniers jours où je suis seule avec elle. À partir de vendredi, Seb sera de retour, donc il sera là tous les soirs. Mon papa. Du coup, voilà, donc là on vient de rentrer de l'école. Apparemment ce midi, ça s'est encore pas bien passé. Elle a pleuré de 10h45 à 13h. Et elle a quasiment rien mangé à la cantine, donc je réfléchis de plus en plus à la retirer. Et après, la maître, il a dit de manger les fruits et la viande. Et tu ne l'as pas fait. Non, tu ne l'as pas fait puisque tu n'as pas mangé. Bref, du coup, voilà, donc cette vidéo commence là. Donc il est 17h30, là tout de suite, je vais la mettre au bain. Je ne vais pas filmer, bien sûr, pendant qu'elle sera dans son bain. Donc je vais la mettre au bain, la mettre en pyjama, la coiffer, tout ce qui s'ensuit. Et après, je vous retrouve juste après. Et après, c'est le lendemain, mais moi j'ai vu des frites avec du jambon à la cantine. Des frites avec du jambon, voilà, elle a passé commande. Bref, allez, je vous laisse, je m'occupe de son bain et je vous reprends juste après, dans une seconde pour travailler. Vous. Travailler. Et 10 minutes, un quart d'heure pour moi, à tout à l'heure. Aria est dans son bain, donc là elle va jouer 5 minutes à peine. Ensuite, je la sortirai. Voilà, je vous montre pas trop parce que bon, elle est dans son bain, ça se fait pas. Moi pendant ce temps là je vais sortir donc tout ce qu'il y a dans son sac. J'ai vu qu'il y avait le carnet de liaison, donc c'est que la maîtresse m'a mis un mot. Donc je vais regarder ce que c'est, je vais préparer sa boîte à goûter et sa gourde pour demain, comme ça ce sera fait. Et quand elle sortira du bain, ben, je commencerai à préparer son repas. Elle va se caler dans sa chambre avec sa tablette comme d'habitude, le temps de manger. Et voilà pour les premières parties de cette routine. Je lui avais pris une boîte comme ça, je sais pas si je vous l'avais montré, une boîte à goûter sur Amazon. Et du coup tous les jours je lui mets son goûter dedans. Et je lui mets les biberons comme ça, twist shake que j'avais pris, parce que je les avais pris pour la nuit. Mais elle arrive pas. Donc du coup, bah, c'est pas grave, hein, je lui mets de l'eau dedans pour l'école, au moins ça sert. Et c'est pas perdu quoi. Lundi 30 septembre à 17h. Ils sont marrants. Venir sans vos enfants, ça va pas être possible. Bah, je vais lui écrire un mot pour lui dire que c'est pas possible, que je pourrais pas venir sans Aria malheureusement. Du coup voilà, je vais lui répondre ce soir, comme ça ce sera fait. Alors on va préparer son goûter pour demain. Du coup je lui mets dans sa boîte à goûter deux fromages. Donc je lui mets un Babybel et un Ficello. Voilà, donc ça c'est pour le goûter du matin. C'est ses fromages préférés, hein. Ça va, louloute? Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je la laisse toute seule dans le bain, je lui mets tellement peu d'eau qu'elle ne peut pas se noyer, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, un Babybel, un Ficello. Et je vais lui mettre du coup un gâteau que j'ai fait. Comme ça, elle aura son petit gâteau. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, c'est tout, puisque normalement je mets un chocolat. Mais voilà, je pense que ça suffira largement. Donc hop, je ferme la boîte à goûter. Je vais vous reposer parce qu'à force, j'ai un peu mal au bras quand même. Hop. Voilà, je vais préparer tout de suite sa gourde. C'est marrant parce que j'avais marqué son nom sur le couvercle. Et je vois que ça s'est effacé alors que j'ai mis du feutre. Ah non, c'est sur l'autre. Je me suis servi des feutres semi-permanents. Non, je me sers pour le budget. Comme quoi ça sert. Voilà, toc. Comme ça, c'est prêt pour demain.
j'aurai pas à y revenir. Hop, hop. Voilà, son sac est prêt avec le coussin et le doudou, tétine. Comme ça, ça déjà, j'ai plus à y penser. Là, il faut juste que je réponde à sa maîtresse et que je remette le cahier dans le sac à dos. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie, donc je vais poser ça sur la table du salon, comme ça je suis sûre de le voir. Voilà, donc là je vais aller sortir Aria du bain et je vous retrouve juste après pour la suite. Voilà, le bain est terminé, Aria est dans son lit pour son temps calme. Elle regarde son petit dessin animé. Voilà. Coucou. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je vais nettoyer la salle de bain. Non, 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 non. Oui, j'arrive. Je vais nettoyer la salle de bain parce qu'elle m'en a mis partout. Voilà, donc je vais nettoyer vite fait la baignoire, passer un petit coup de lavette par terre, histoire que ça reste propre. Et voilà, donc je vais vous poser sur le trépied que j'ai mis là, qui est tout petit. Et c'est parti pour le nettoyage. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. J'ai nettoyé la cuisine, enfin j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai débarrassé un petit peu vite fait, bien que la cuisine était propre, puisque je l'ai fait tout à l'heure après les pâtisseries, puisque je viens de vous terminer le vlog de la journée, donc vous verrez ça dans la continuité. Bref, du coup là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire les frites pour Aria, puisqu'elle est supposée manger dans 15 minutes, c'est pile le temps de cuisson des frites. Du coup voilà, je vais lui faire cuire son repas, pendant qu'elle mangera, moi je vais me mettre devant elle à table et je vais plier ma panière de linge qui attend depuis hier, comme ça après je pourrai le ranger directement. Voilà, c'est comme ça un peu tous les soirs, donc voilà, rien d'exceptionnel, hein. Pendant qu'elle est occupée, moi je m'occupe aussi, quand elle est en train de manger, je reste à côté d'elle, bien qu'elle mange avec sa tablette, je sais, c'est pas une bonne habitude, mais depuis qu'elle est à l'école, elle a de moins en moins le temps de profiter de sa tablette, et si elle a pas sa dose de tablette, elle fait scandale à l'école pour l'avoir, donc je préfère la laisser, elle mange avec sa tablette, moi je vais pas manger à 18h30 en même temps qu'elle, c'est pas possible, c'est trop tôt, donc je la mets avec sa tablette, mais c'est à peine si elle la calcule, puisque je suis à côté d'elle, donc en général elle me parle, elle me raconte un peu ce qu'elle a fait dans la journée, et moi je discute aussi avec elle. Donc voilà, là je vais faire cuire ses frites, et une fois que ce sera cuit, je la mettrai à table, je vous reprendrai à ce moment-là, je vous filmerai encore une fois en musique le moment du repas, comme ça bah, vous verrez comment ça se passe encore une fois quand on est toutes les deux le soir. C'est encore une routine différente quand il y a Jonah ou quand il y a Seb, mais là quand on est toutes les deux, ça se passe vraiment comme ça,
tout le temps, puisque bah, j'en profite pour faire un maximum de rangement pendant ces heures-là, alors que quand il y a Seb ou Jonah, bah, je passe plus de temps avec eux, et on passe plus de temps tous les trois forcément, mais je vais pas me lever faire du ménage pendant que ils seront à table, quoi, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, je m'occupe comme ça, mais pendant qu'elle mange, vu que moi je vais pas m'asseoir et manger avec elle, je préfère être à côté d'elle et faire quelque chose. Donc soit je m'occupe de plier le linge, soit je m'occupe de ranger un peu le salon, ou je me mets sur mon ordinateur et je travaille un petit peu, mais en tout cas je reste toujours à côté d'elle et je discute toujours avec elle. C'est notre petit moment de discussion de la journée, non, avec le matin. Du coup voilà, c'est parti, je fais cuire ça, je vous reprends juste après. Donc là j'ai fini de plier mon linge, je vais aller le ranger. Aria est en train de manger mais avec bien du mal. Comme par hasard elle est fatiguée. Après je peux comprendre, elle a pleuré toute la matinée, elle a pas dormi. Mais bon, faut qu'elle mange, donc voilà. Dépêche-toi, si tu finis ton assiette, t'as ton gâteau au chocolat après. Et oui. Allez, je vais ranger le linge tout de suite. Je vais en profiter pour préparer sa tenue pour demain matin pour l'école. Et ensuite bah, je vous reprends. C'est voilà, ton assiette. Non, tu vas la retourner encore plein de ketchup. Voilà, elle a tout mangé. Bon, il lui reste deux petites frites avec bien du mal, mais on y est arrivé. Donc là, maintenant, elle va avoir son gâteau. Voilà, tatin. Il est 19h, donc elle aura mis 30 minutes à manger. C'est à peu près comme d'habitude. Le temps qu'elle termine son dessert, il sera 7h15. Et ensuite, bah, ça sera le bibi et le lit pour le temps... Le temps calme avant le dodo, parce que c'est ce que j'expliquais à la maîtresse. Si elle n'a pas ce temps de dessin animé avant de s'endormir, elle ne dort pas en fait. Elle a besoin de ça pour l'accompagner vers le sommeil.
On a tout essayé, hein. J'ai essayé les histoires, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionne à part ça. Et après, quand je l'accouche, je lui mets sa veilleuse qui lui raconte une histoire ou qui met de la musique ou des bruits blancs. C'est le Wawa. Allez, laisse-les tes deux frites. Voilà. Voilà. Allez, goûte. Comme ça, tu nous dis si c'est bon. Attends. Hop. Fais voir. Dedans, il y a une surprise. Oui. C'est quoi? Tada. Yo. Il y a du chocolat là. Croque-la. C'est dur. C'est dur. Non, c'est pas dur. Tu veux pas? Si, là. Ah, tu m'as fait peur. Tiens. C'est trop bon. J'adore. Pépite cette recette. Du coup voilà, donc là je vais lui réparer son biberon que je vais lui poser dans son lit. Comme ça, ce sera fait. J'essaie d'anticiper le plus de choses possible. Désolée, j'ai la bouche pleine. J'essaie d'anticiper le plus de choses possible, comme ça après je suis tranquille. Donc pour le lait, on est toujours sur le lait de riz. Puisque bah, elle a une forte intolérance à la protéine de lait de vache, par contre. Et on pense que c'est ce qui a déclenché l'intolérance au gluten. Ce qui fait qu'en final, si elle avait eu un lait végétal dès petite, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes de santé. Oh. Mais bon, encore une fois, j'ai pas eu le bon pédiatre, j'ai pas eu le bon médecin. J'ai fait ce qu'on m'a dit et finalement, c'était pas la bonne. Oui, j'arrive. C'était pas la bonne chose à faire. C'est l'heure de la pilule. Ouais, c'était pas la bonne chose à faire, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que maintenant, elle aille bien. C'est rien, c'est mon réveil. C'est quoi mon réveil? Voilà. C'est pour que je prenne mon médicament. Hop. On va y arriver. Non, c'est pas pour faire dodo. C'est pour pas avoir des bébés. Je crois que j'ai choqué. Parce que maman, elle a toi comme bébé, elle en veut pas d'autres. Voilà, hop. Deux cuillères de Benko avec. Et ensuite, pour le dodo, je lui en mets un deuxième. Ok, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Hop. Voilà, pendant la nuit, elle boit deux biberons du coup. Et si je lui en mets qu'un, elle se réveille la nuit et elle m'en demande un deuxième. Alors ça, c'est pareil, j'ai essayé l'eau, j'ai essayé le jus de fruits, j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire, elle a besoin de ses biberons pour dormir correctement. Je sais pas, ça va être un côté rassurant pour elle, je sais pas. Tu dis quoi, bébé? Ah, tu finis ton gâteau d'abord. Enfin, t'en manges un petit peu, même si tu ne le manges pas entier. Hop, voilà. Et je vais lui mettre ça dans son lit. Faut qu'on lave les dents alors. Ah. Allez, c'est parti pour le brossage des dents. C'est bon? Allez, go. C'est trop bon. T'as bien mangé? Ah ouais. Oui. Ah oui. Tu t'es régalé? Tu vas où là? Ah oui. Tu vas où? Bah, j'y vais dans mon lit. Non, dans la salle de bain là-bas. Allez, t'as dit, Tine, t'as pas besoin. Vas-y, c'est grave. Non, t'as pas besoin. Il est où ton banc? Va chercher ton banc dans les toilettes. Voir ton assiette. Non, tu vas la retourner encore plein de ketchup. Voilà, elle a tout mangé. Bon, il lui reste deux petites frites. Avec bien du mal, mais on y est arrivé. Donc là, maintenant, elle va avoir son gâteau. Voilà, tatam. Il est 19h, donc elle aura mis 30 minutes à manger, c'est à peu près comme d'habitude. Le temps qu'elle termine son dessert, il sera 7h15. Et ensuite, bah, ça sera le bibi et le lit pour le temps calme avant le dodo, parce que c'est ce que j'ai expliqué à la maîtresse. Si elle n'a pas ce temps
de dessins animés avant de s'endormir, elle dort pas en fait. Elle a besoin de ça pour l'accompagner vers le sommeil. On a tout essayé, hein. J'ai essayé les histoires, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Il y a rien qui fonctionne à part ça. Et après, quand je la couche, je lui mets sa veilleuse qui lui raconte une histoire ou qui met de la musique ou des bruits blancs. C'est le wawa. Allez, laisse-les tes deux frites. Voilà. Voilà. Allez, goûte. Comme ça, tu nous dis si c'est bon. Attends. Hop. Fais voir. Dedans, il y a une surprise. Oui. C'est quoi? Tadam. Yo. Il y a du chocolat là. Croque-la. C'est dur. C'est dur. Non, c'est pas dur. Tu veux pas? Si, là. Ah, tu m'as fait peur. Tiens. C'est trop bon. J'adore. Pépite cette recette. Du coup, voilà. Donc là, je vais lui réparer son biberon que je vais lui poser dans son lit. Comme ça, ce sera fait. J'essaie d'anticiper le plus de choses possible. Désolée, j'ai la bouche pleine. J'essaie d'anticiper le plus de choses possible, comme ça après je suis tranquille. Donc pour le lait, on est toujours sur le lait de riz, puisque bah, elle a une forte intolérance à la protéine de lait de vache par contre. Et on pense que c'est ce qui a déclenché l'intolérance au gluten, ce qui fait qu'en final, si elle avait eu un lait végétal dès petite, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes de santé. Oh. Mais bon. Encore une fois, j'ai pas eu le bon pédiatre, j'ai pas eu le bon médecin, j'ai fait ce qu'on m'a dit et finalement c'était pas la bonne. Oui, j'arrive, c'était pas la bonne chose à faire. Hop, c'est l'heure de la pilule. Ouais, c'était pas la bonne chose à faire, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que maintenant elle aille bien. C'est rien, c'est mon réveil. Hop. Voilà. C'est pour que je prenne mon médicament. On va y arriver. Non, c'est pas pour faire dodo. C'est pour pas avoir des bébés. Je crois que j'ai choqué. Parce que maman, elle a toi comme bébé, elle en veut pas d'autres. Voilà, hop. Deux cuillères de Benko avec. Et ensuite, pour le dodo, je lui en mets un deuxième. Ok, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Voilà, pendant la nuit, elle boit deux biberons, du coup. Et si je lui en mets qu'un, elle se réveille la nuit et elle m'en demande un deuxième. Alors ça, c'est pareil, j'ai essayé l'eau, j'ai essayé le jus de fruits, j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire, elle a besoin de ses biberons pour dormir correctement. Je sais pas, ça va être un côté rassurant pour elle, je sais pas. Tu dis quoi, bébé? Ah, tu finis ton gâteau d'abord. Enfin, t'en manges un petit peu, même si tu le manges pas entier. Hop, voilà. Et je vais lui mettre ça dans son lit. Faut qu'on lave les dents, alors. Ah. Allez, c'est parti pour le brossage des dents. C'est bon ? Allez, go. C'est trop bon. T'as bien mangé? Ah ouais. Oui. Ah oui. Tu t'es régalé? Tu vas où, là? Oui. Ah oui. Tu vas où? Bah, j'y vais dans mon lit. Non, dans la salle de bain, là-bas. Allez, ta titine, t'as pas besoin. Vas-y, tu veux la faire. Non, t'as pas besoin. Il est où, ton banc? Va chercher ton banc dans les toilettes. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
Mon appareil a coupé pendant que j'étais en train de tourner, j'aime pas du tout les gros plans. Du coup voilà, là ce qui me reste à faire, ça va être à débarrasser la table d'aria, passer un coup de balai dans la salle et un coup de serpillière et ce sera terminé pour cette routine avec Aria. Là il est 7h20, donc 40 minutes à peu près elle va aller se coucher et à ce moment là moi je commencerai mon temps pour moi, donc je prendrai ma douche, je mangerai et je me poserai pour lire, voilà. Donc je vous laisse, je vais débarrasser et je vous reprends juste après pour clôturer cette vidéo Night Routine. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc il me restera juste à débarrasser là les jouets qu'Aria a laissé. Je vais les emmener dans sa chambre après et redescendre les chaises. Comme ça demain matin je me lève, la maison est toute propre, toute rangée. Et voilà, j'ai plus maintenant qu'à m'occuper de moi, enfin une fois que j'aurai couché Aria. Parce que bien souvent elle se relève, elle me demande à sortir de son lit avant le dodo. Donc je repasse un petit temps avec elle. Bien souvent soit elle colorie, soit on fait une histoire, entre comme ça. Et ensuite, à 20h, je la couche avec le rituel du coucher, bien sûr. Donc le câlin, le bisou, le « dors bien, faites beaux rêves, je t'aime ». Voilà, tout ça. Et surtout, tu réveilles pas maman. Voilà, tout ça. Et bah voilà, tout ce que je fais à partir du moment où je récupère Aria à 17h30 jusqu'à bah, maintenant 19h30. En 2 heures, voilà, vous avez vu à peu près ce que je fais tous les jours. Donc quand c'est pas le linge que je plie, c'est autre chose que je fais en rangement. Et sinon, bah, je m'assois avec elle et comme j'ai fait tout à l'heure, je m'assois avec elle, je travaille sur l'ordinateur. Elle mange ou alors elle se... Comme on a fait juste avant le repas, elle se pose avec moi, elle fait son livre de coloriage et on discute, enfin voilà. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est comme ça que ça se passait, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, à partir de vendredi, une autre routine
entrera en ligne de compte puisque Seb rentrera du travail à 19h à peu près. Du coup, là on changera le rythme pour qu'elle puisse passer un peu de temps avec son père. Donc de 19h à 20h, elle restera avec nous au salon et on la couchera directement. Ou alors un quart d'heure avant, on la mettra dans sa chambre avec sa tablette puisque comme je vous ai dit, elle a besoin de ce temps pour l'accompagner vers le sommeil. Donc je pense qu'elle restera avec nous de 19h à 19h45. Et ensuite, on la mettra dans sa chambre avec sa tablette et à 20h au dodo. Parce que si je la couche plus tard, le matin c'est compliqué, elle est grognon, elle est de mauvaise humeur. Et plus elle est fatiguée, plus elle pleure la journée. Donc du coup, voilà. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je la couche à 20h la semaine ou que je la couche à 21h, 21h30 le week-end. Le matin, elle se lève exactement à la même heure. Donc je pense que je vais la coucher tous les jours à 20h, que ce soit en semaine ou le week-end, histoire qu'elle ait vraiment des nuits complètes, parce que le matin, elle se réveille, il est 6h30, quoi. Donc, enfin, 6h30, 7h, et elle se réveille toute seule, c'est pas moi qui vais la réveiller. À part comme des cas comme ce matin, où elle s'est réveillée à 5h, à 5h, elle m'a demandé à se lever, je lui ai dit, non, mais là, c'est la nuit, donc je lui ai redonné un biberon, je lui ai remis sa veilleuse, elle s'est rendormie, et du coup, comme elle est repartie dans un nouveau cycle de sommeil, j'ai dû la réveiller à 7h15 pour l'école. Mais en règle générale, j'ai pas besoin de la réveiller, elle se réveille toute seule. Du coup, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, une night routine. La prochaine fois, je vais peut-être faire une morning routine, du coup. Comme ça, vous verrez le matin aussi comment ça se passe quand j'amène Aria à l'école. Et puis, ben voilà, comme ça, vous aurez absolument toutes mes routines. Il me reste plus que la routine skincare que je vous ai pas filmée. J'aurais voulu vous la faire ce soir, mais là, je suis fatiguée. J'ai juste envie de prendre une douche et de me caler et continuer mon livre là. J'ai vraiment envie de savoir l'enquête et tout. J'en suis à la page 90, il me reste une 160 pages à lire. Donc j'aimerais bien avancer puisque je sais pas après quand j'aurai le temps de bien continuer. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma routine, s'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer. Par contre, alors si c'est pour me dire comment m'occuper d'Aria, par contre abstenez-vous parce que chaque parent est différent, chaque enfant est différent. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai essayé beaucoup de choses avec Aria avant de trouver quelque chose qui l'apaise. Ça l'apaise, donc elle est heureuse comme ça, c'est très bien comme ça. Voilà, donc si c'est pour porter des jugements, par contre abstenez-vous. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos comme ça où je montre beaucoup Aria ou l'éducation qu'on lui donne parce que bah, ça tombe toujours en commentaire des commentaires désagréables, des jugements qui servent à rien. Donc voilà, c'est anti-constructif. Et en plus de ça, je sais pas comment ça se passe chez vous. Donc ne jugez pas ce qui se passe chez moi. Voilà, ces vidéos-là sont juste pour partager avec vous ce quotidien que je vis depuis 6 mois, depuis que Seb est parti. Faut aussi vous dire que bah, je suis toute seule à tout gérer depuis 6 mois. Donc je fais comme je peux et au mieux. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée.